Raula Libre, le média indépendant du pays Nissar. Bonsoir, monsieur Ederson, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, tout le monde. C'est un plaisir d'être là avec vous. Vous aussi, je crois que ça fait longtemps qu'on attendait votre venue. Vous avez laissé une image merveilleuse au club. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Je crois que tout le monde ici est très heureux de vous voir. Vous avez toujours incarné la gentillesse avec tous les supporters, avec tous les joueurs, avec le staff, avec les administratifs. Donc on est vraiment très, très heureux de vous recevoir. Merci. Alors on va démarrer cette interview et puis on fera quelques questions de supporters, bien sûr, pendant l'interview. Quand vous avez une petite question, vous n'hésitez pas, vous levez la main et puis on essaie de caser une petite question. Et puis ensuite, il y aura donc des photos. Un petit mur pour vous, hein, exprès, monsieur Garcia. merci. Vous aurez marqué quelques dédicaces à faire tout à l'heure. Alors, Buen Sera à Toué et Ben Begout à Café des Aiglons. Bienvenue à tous et ici au Café des Aiglons. Alors, Ederson, on va commencer, si vous voulez bien, on va commencer par retracer le début de votre carrière. Alors, vous êtes né le 13 janvier 1986 à Parapua, donc c'est dans l'état de São Paulo. Oui, ouais, j'ai bien prononcé Parapua. Exactement. Oui, mais São Paulo. Au Brésil. Donc, et puis vous commencez à jouer au RS Football. Et après, vous avez joué à Porto Alegre et à la Juventude. International de Porto Alegre et puis Juventude. Alors, parlez-nous un petit peu de cette enfance dans le football. Comment ça s'est passé? Ben alors, la rue d'abord. Et j'ai joué pieds nus dans les cages. Et j'ai adoré le foot depuis tout petit. Et puis, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à jouer dans une école de foot dans ma ville, à Parapua. Et puis après, je suis allé toujours plus loin de chez moi. J'ai joué dans un autre village, dans une petite école qui s'appelle Expressinho, Marília. Et puis on jouait des tournois pour tout le Brésil. Et malgré le fait qu'on était une petite école, on réussissait à battre des grandes équipes. Et donc, c'était comme ça que le RS Football Club m'a vu jouer dans ces petits tournois. Et voilà, c'est mon premier passage d'une école à un club de foot de Expressinho de Marília à l'RS Football Club de l'entraîneur et propriétaire du club qui s'appelait Capé Gianni. Lui, c'était le coach de la sélection de Paraguay pendant la Coupe du Monde en 98 en France. Et voilà, dès qu'il m'a vu jouer, il m'a voulu tout de suite. Et là-bas, j'ai débuté comme pro à côté de Thiago Silva. Qui est un de vos amis d'ailleurs. Oui, un de mes grands amis dans le foot. Donc voilà, j'ai débuté avec l'RS très tôt, à 16 ans. J'ai signé mon premier contrat pro. Et puis, j'ai commencé à progresser. J'ai passé de l'RS à l'international et à la Juventude très vite pour pouvoir évoluer. Là, vous avez joué 3 mois, je crois, la Juventude. Hein. À l'international, j'ai joué 6 mois. Et puis, la Juventude, 4 mois, quand même, très vite. Parce que vous vouliez, en fait, vous vouliez un peu, bah, comme beaucoup de joueurs brésiliens, vous vouliez venir en Europe pour goûter au football de haut niveau. Oui, en fait, le club de RIS, c'est un club formateur et leur but, c'était de préparer les joueurs et les mettre sur le marché européen surtout. Et moi, j'ai eu le bonheur de jouer le championnat du monde, de devenir champion du monde avec le Brésil, des moins 17. Et donc, les portes ont commencé à s'ouvrir pour moi ici en Europe.
Donc voilà, et très vite, celui qui est devenu mon agent après, M. Caliendo, il m'a vu jouer dans ce tournoi de la Coupe du Monde de moins 17. C'était en 2003, je crois. En 2003, oui, en Finlande. Et donc, on a battu l'Espagne de Fabregas, Silva en finale. C'était un très bon souvenir. Et puis, c'est pour ça que Caliendo est venu me chercher au Brésil. Et après avoir essayé de m'amener à l'Inter Milan. Voilà, vous avez eu au début des contacts avec l'Inter Milan avant d'avoir des contacts avec l'OGC Nice, hein, c'est ça? Oui, exactement. Mon agent, il a eu des contacts avec l'Inter de Milan et ça ne s'est pas fait à cause des petits détails. C'est Roger Ricord, on va préciser, c'est Roger Ricord et Gernot Rohr qui vous ont fait venir, hein, c'est ça? Exactement. Après, une fois que les choses ne sont pas marchées avec l'Inter, mon agent a contacté Roger Ricord. Ils se sont connus à travers d'autres personnes. Et Roger Ricord a demandé à lui la vidéo sur moi. Et comme ça, il a montré à l'entraîneur, Gernot Rohr, qui à l'époque a donné tout de suite l'OK pour me faire venir. Alors vous arrivez en milieu de saison, vous arrivez le 16 janvier 2005. Et puis alors, quelle belle arrivée, puisque bon, par contre, ça a dû être difficile, on en parlera après, parce que vous ne parliez pas le français, bien sûr. Hein. Il n'y avait pas trop de joueurs qui parlaient portugais, un petit peu espagnol. Je crois qu'il y avait Franco Dolci, hein, qui était l'Argentin, qui parlait un peu espagnol avec vous, je crois, c'est ça. Oui, exactement. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là et heureusement que pendant mon passage... C'est ça, le Traoré, il ne parlait pas espagnol. Non, pas du tout. Et heureusement que pendant mon passage à l'RIS, football, j'ai étudié l'espagnol. L'espagnol, oui. Ouais, parce que malgré le fait que ça ressemble beaucoup au Brésil, le portugais, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, quand je suis arrivé avec l'espagnol, Franco Dolci m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé. Alors vous avez la chance, on s'en souvient tous, hein, vous arrivez et vous marquez deux buts assez rapidement. Donc un contre Reims, un contre Monaco. Alors on se souvient bien sûr de celui contre Reims avec cette fameuse photo, cette image où vous montez au grillage. D'ailleurs vous prenez un carton jaune, je crois. Oui, c'est un peu le carton que j'ai pris. C'était pas trop grave. Moi, je n'entends pas les cartons, mais... Alors, parlez-nous de ce but, là. Vous êtes parlez-nous de ce but où vous montez au grillage sur ce match. C'est match de Coupe de France, hein, je rappelle. Hein. Oui, match de Coupe de France. Un match décisif. Il fallait gagner pour passer. Pour passer, oui. Oui, d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus. On va revenir après. Non, maintenant. On va en parler maintenant. Vous allez voir l'anecdote. Alors, vous allez voir l'anecdote, c'est assez marrant. Sur ce match-là. Vous voulez que je la lance, l'anecdote. Donc, en fait, vous pensiez, quand vous arrivez sur ce match, il y a un match de France et vous dites, ça joue en aller-retour. D'accord. Oui, parce que le match de Coupe au Brésil, on joue sur l'aller-retour. Mais avant, en France aussi, ça se faisait les matchs de Coupe de France il y a quelques années, enfin, bon, peut-être 20 ou 30 ans, j'ai vu. Voilà. Ça se jouait, et là, c'était match sec. Et donc, racontez-nous l'histoire de... Oui, match sec, et bien sûr, pendant la causerie, pendant la semaine, quand ça parlait de match, sûrement, le coach et tout le monde avaient parlé que si peut-être... Il y avait un match nul, il y avait la prolongation, c'est un petit de suite, mais moi j'ai rien compris, je ne comprenais pas. Donc le match il est fini, un partout. Et moi, je prends, j'étais pas très content, un partout, je baisse la tête, je vais vers le vestiaire. À un moment donné, heureusement, j'ai eu l'idée de me tourner, je vois personne entrer. Oh, j'étais au milieu du couloir, je vois personne, je dis mais qu'est-ce que... T'étais où, il y a prolongation? J'arrive sur le terrain. J'arrive sur le terrain et tout le monde qui me cherchait. Personne, t'étais où? Je me suis dit, je suis allé aux toilettes vite fait. Et là, après, le match recommence. Et là, je marque le but de la victoire. Et j'étais très heureux. Je monte au grillage pour fêter le but avec les supporters. Ça a été marrant. Ça a été vraiment une belle émotion. Donc c'était compliqué pour, en fait, quand vous parliez tactique avec Gernot Rohr, ça devait être compliqué alors, parce que si vous, c'est vrai qu'à l'époque vous ne compreniez pas trop, donc mais pour le football c'est universel. Hein. Oui, c'est vrai que, heureusement que Gernot Rohr était un entraîneur assez libre, et il me disait juste, prends le ballon, fais ce que tu veux, tu as du talent, et voilà. Et après, on se souvient du but contre Monaco ensuite, parce que d'abord vous allez jouer un premier match de championnat, à l'extérieur, je me souviens plus. C'était le premier, tout premier en fait. Parce qu'après, en fait, on croit que Reims, c'est le premier match, mais c'est le deuxième en fait. Vous avez commencé d'abord oui, à l'extérieur. Mon premier match, c'était contre Metz en fait. Ah, Metz, à domicile. Oui, à domicile et après Reims.
Je rentre, on était en train de perdre, je rentre vers la fin du match et on égalise. Et puis il y a eu ce match de Reims où je marque en Coupe de France. Et juste derrière, il y a eu le match de Monaco. D'accord. Alors là, parlez-nous un peu de ce but. Hein. Qu'est-ce qui... Oui, je crois que vous avez vu que le gardien était avancé, non? Ah oui, sur ce match-là, un match très chaud, un derby. Le stade, il était plein. Il y avait une très belle ambiance. Et je débute le match sur le banc. Et pendant longtemps, j'ai vu que le gardien, il jouait avancé. Donc je me suis mis dans la tête, si je rentre, je dois essayer de frapper de loin. Ouais. Et en fait, je suis rentré et pour mon premier ballon, je touche le ballon, je fais un contrôle, il s'enlève un petit peu. Je ne me pose pas de questions, je frappe. Je frappe presque du milieu de terrain. Et ça lobe le gardien. Et oui, ça, c'était un beau but. Quoi. Ouais, ouais. C'est un but inoubliable. Bon, c'est vrai que vous ne pouviez pas mieux débuter, hein. Tout de suite les supporters ont... Ah, c'était un bon, une belle carte de visite, voilà. Je pense. Les supporters vous ont adopté tout de suite, et puis c'est vrai que vous étiez quelqu'un qui était quand même très, très chaleureux avec les supporters, donc ça a été tout de suite un bon contact avec vous. Oui, bah, en fait, j'aime être comme ça, chaleureux, parce que... Moi aussi, j'aime avoir les personnes autour de moi qui sont comme ça. Et en fait, j'étais très bien accueilli ici quand je suis arrivé, par les personnes du club, mais aussi par les supporters. Donc voilà, j'avais qu'une envie, en rentrant sur le terrain, et même d'ailleurs aussi, de rendre tout ça à eux, parce que j'étais très bien accueilli, donc c'était le minimum à faire, de redonner toute cette chaleur humaine que j'ai reçue. Alors on va parler un petit peu de l'effectif de l'époque. Donc il y avait, c'était Guillaume Trois qui était entraîneur hein, en 2005. José Cobos, Pancho Abardolado, Thibaut Scotto, Cédric Varro, Victor Agali, Olivier Chouafny, Marama Bayurua, Florent Balmont, Samy Traoré et Hugo Lloris qui débutaient. Oui, bonjour. Et qui était votre grand ami. Oui, bien sûr. Tout de suite, on est devenu amis avec Hugo. Quand je suis arrivé, il ne jouait pas encore. Mais déjà, l'entraînement, il démontrait des choses incroyables. Et plusieurs personnes parlaient déjà que c'était une question de temps pour qu'il devienne le titulaire. Et donc, la saison d'après, il a commencé à jouer d'abord en coupe et puis en championnat de plus en plus. Et on a commencé à partager les mises ouvertes ensemble. Et c'était un coéquipier, un ami, un frère parfait pour moi pendant les mises ouvertes parce qu'on a un caractère... Vous êtes calmes tous les deux, tranquilles. On est tranquille, on aime bien se concentrer pour le match, aller dormir assez tôt la veille du match. Donc c'était parfait pour pouvoir développer un bon football. Pierre, vous m'avez dit que quand vous l'avez vu soulever la Coupe du Monde, vous étiez tellement heureux que c'était presque comme si le Brésil avait gagné la Coupe du Monde. Ouais. Ah oui, bien sûr. J'étais au Brésil d'ailleurs et j'ai regardé tout le match du Brésil et tout le match de la France pour voir Hugo. Et voilà, j'étais très content quand il a gagné cette Coupe du Monde. J'aurais souhaité de voir une finale Brésil-France, mais une fois que le Brésil est sorti, j'étais supporter du groupe. 100% pour la France. Pour la France. Ouais. Et bah nous aussi, on est plus haut, là, je vous avoue. doublement heureux, je dirais, pour la France et pour le groupe. Alors en 2005-2006, donc là, c'est Frédéric Antonetti qui est l'entraîneur l'année suivante. Il arrive notamment Bakikone, Cyril Roll, Rod Fanny, Anteriaya, Mamadou Bagayoko. Et donc là, c'est une belle saison. Hein. Vous terminez 8e. Est-ce que vous vous souvenez un peu de cette première saison avec M. Antonetti? Vous disiez qu'il vous avait fait beaucoup travailler aussi physiquement dans le... Oui, cette première saison avec Antonetti a été une belle épreuve pour moi. Une saison d'apprentissage, on va dire. Parce que j'étais assez jeune, j'avais 19, 20 ans, et j'avais une énorme envie de jouer tous les matchs. Je m'entraînais, je me souviens à 100%, je m'entraînais tout le temps pour jouer tous les matchs. Et Antonetti me disait, calme-toi, attends, on ne va pas brûler les étapes. Et parfois, j'ai rentré chez moi un peu contrarié, un peu même fâché des fois parce que je voulais jouer. Je voulais jouer. Et Antonetti me demandait de prendre son bon temps, mais ça m'a servi à grandir, à savoir avoir un bon état d'esprit
mentalement, j'ai beaucoup travaillé et en même temps, physiquement, toujours là, que personne ne le sait, mais pour moi, c'est quelqu'un de très important dans le club parce que c'est lui qui est la personne responsable de mettre les joueurs au bon état de santé pour pouvoir jouer. Et quand j'ai quitté Nice, en fait, j'aurais voulu l'amener avec moi. Mais bon, je pense que le club n'allait pas être d'accord. Mais Philippe Boulon est quelqu'un qui travaille toujours là, qui fait un travail avec passion pour pouvoir aider les joueurs. D'ailleurs, tous les joueurs l'aiment beaucoup. Donc voilà, j'ai travaillé aussi au niveau physique beaucoup avec Nicolas Dion pour devenir un peu plus costaud. Parce que la première année, quand je suis arrivé, je faisais les dribbles, mais les défenseurs arrivaient à me mettre par terre facilement. Mais une fois que j'ai travaillé mentalement, physiquement avec le nouveau staff, j'ai pu progresser. Et puis une fois que j'ai devenu titulaire, je n'ai plus sorti de l'équipe. Félicitations pour votre français aussi, parce que dès le début, vous avez pris des cours de français. Rapidement, vous êtes intégré aussi grâce à ça. On voit des joueurs qui dans Di Maria au PSG, ils ne savent pas dire un peu français. Vous, tout de suite, vous êtes arrivé, vous avez pris des cours de français et tout de suite, ça montre aussi une volonté de s'intégrer aussi. Oui, j'ai toujours aimé connaître les choses, apprendre, progresser. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il fallait étudier le français et apprendre très vite, je voulais aussi. J'ai commencé à prendre des cours et aussi pratiquer beaucoup, demander souvent quand j'avais un doute. Et comme ça, j'ai énormément progressé avec l'idiome français aussi. Alors on se souvient aussi, Monaco, vous réussissez bien, parce qu'on se souvient en Coupe de la Ligue, c'était alors le 7 février 2006. Donc vous marquez aussi un but qui qualifie le gym pour la finale. Vous souvenez aussi le but de la tête, je crois, je me souviens bien. Oui, encore une fois. J'ai vu que c'est qui centre. Encore une fois, c'est un derby. Rodé. Bon centre de Sébastien Rodé. Très bon joueur d'ailleurs. J'ai adoré jouer avec Rodé, gaucher. Avec une perte de centre, de frappe aussi. Et il a fait un débordement. Il a mis Maicon et il centre très bien. Et j'arrive à anticiper le défenseur pour marquer ce but très important qui nous qualifie pour la finale. Alors on va pas trop parler de la finale parce que ça reste quand même un bon souvenir d'être montré à Paris. Bon après c'est vrai que c'est une défaite forcément. Ça reste quand même un bon souvenir finalement parce qu'on est monté à Paris. C'était l'époque quand Tonetti me faisait prendre du temps quoi. J'ai débuté la finale sur le banc. Oui je me souviens. Oui. Je rentre, il y avait 2-1. On pousse jusqu'au bout du match, mais on n'arrive pas à égaliser. Mais quand même, ça a été un bon parcours. On a fait un très bon parcours et on était très heureux d'arriver en finale. On a tout fait pour l'emporter, mais bon, c'est le foot. Alors après, donc, saison 2006-2007, donc il arrive, c'est toujours Frédéric Antonetti qui est entraîneur. Il arrive Matt Moussilou, Cédric Canté, David Bellion, José Cobos devient adjoint d'ailleurs. Et alors, on démarre mal la saison, je ne sais pas si vous vous souvenez. À Noël, en fait, en janvier, il revient deux anciens, donc Lilian Lasland et Lionel Pitizzi, donc pour relancer un petit peu le club, apporter un petit peu leur expérience. D'ailleurs, c'est ce que ça a donné. Hein, ils ont beaucoup aidé, je pense, hein, surtout notamment Lilian Lasland, pour ses qualités sur le terrain et en dehors du terrain. Oui. En fait, c'était une saison où, la première partie, il y avait beaucoup de qualités de jeu. C'est ce que Antonetti souhaitait. Il arrivait à mettre un style de jeu dans l'équipe. Et en fait, on jouait très bien les matchs. Nous, on dominait tous les matchs. Mais les résultats, ils n'étaient pas présents. À chaque fois, on avait le contrôle de jeu, mais on perdait 0-0. Donc, on arrive à la trêve. On était dans les trois derniers. Donc, c'était vraiment compliqué. À ce moment-là, il a fallu un vrai caractère pour continuer à y croire parce qu'on était en train de développer quand même un bon jeu. Donc on n'était pas inquiet par rapport à ça, mais on était inquiet parce que les résultats n'ont pas été à l'auteur. Donc avec l'arrivée de Lilian Lasland, de Lionel Letizzi, nous a beaucoup aidé à ce niveau-là, au niveau de la mentalité et d'y croire toujours. Et ils ont apporté leur expérience sur le terrain et en dehors aussi pour faire en sorte qu'on soit tenu à se bagarrer pour se maintenir et à la fin on arrive aussi parce qu'on a fait une très belle
Deuxième partie de saison. Ouais. Alors, l'année suivante, alors bizarrement, l'année suivante, bah, il arrive assez peu de joueurs. Il arrive notamment, entre autres, Habib Bamogo et David Elbuy, qui a apporté beaucoup, pas mal, en fait, au niveau pour stabiliser le milieu de terrain, entre autres. Oui, et en fait. Et on termine huitième. Vous me disiez que c'était une saison de plaisir, cette saison-là. Ah, oui, oui, la saison d'après, on a beaucoup appris avec tout ce qu'on a passé auparavant. Et en fait, on a gardé l'effectif presque au complet. L'effectif stable, oui, c'est ça. Et avec. On avait des liens de jeu, en plus, avec l'arrivée de deux ou trois joueurs qui ont beaucoup apporté, notamment David, qui était un joueur très endurant, qui compensait beaucoup avec ses efforts. Et c'est vrai qu'on a fait une très belle saison. Et je me souviens, à un moment donné, on était dans les 3-4 premiers. Oui, en janvier, je crois qu'on est dans les 3-4 premiers. Voilà, on a commencé à rêver avec la Champions League. Et puis, alors, c'est l'année où effectivement, bah, vous faites effectivement une très belle saison, hein, une fois de plus. Et là, bon, il y a quelques clubs qui vous ont repéré, notamment. Qui vous fait une proposition, enfin qui fait une proposition au club, et vous, effectivement, vous avez dit, bah, moi je souhaite rester jusqu'à la fin de saison. Il y a eu un arrangement, en fait. Le club vous a acheté, à l'époque c'était une somme énorme, puisque faut quand même s'imaginer qu'il y a 10 ans, c'était 14 millions d'euros, votre transfert pour aller à Lyon. Et vous avez dit, moi je veux bien aller à Lyon, mais je souhaite finir la saison. C'était très, très honorable de votre part de dire, je finis la saison avec le gym, rester avec les copains jusqu'à la fin de saison pour partir seulement en fin de saison. Oui, on était en train de faire une belle saison. J'étais très bien dans l'effectif, dans le groupe, avec tout le monde. Et en janvier, il arrive cette proposition de Lyon. Et voilà, quand il arrive une proposition d'une telle équipe, c'est vrai qu'on commence à rêver de progresser, d'aller jouer avec des grands joueurs contre les plus grandes équipes d'Europe. Donc voilà, mais j'avais un souhait, c'était de laminer le GC Nice à l'Europe. Donc j'ai parlé beaucoup avec Antonetti, qui d'ailleurs à l'époque il ne voulait pas vous laisser partir. Il m'a avoué que si je quittais le club en janvier, lui aussi il allait demander de partir. Ça m'a fait réfléchir. Et voilà, on a pu trouver un accord. Et quand j'ai dit aux dirigeants que oui, je souhaitais aller à Lyon, mais il fallait trouver un accord pour que je reste jusqu'à la fin de saison. Et comme ça, j'ai signé à Lyon et on a trouvé un moyen de faire un prêt derrière pour que je puisse finir la saison. Et on a lutté jusqu'au bout pour arriver en Europe, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Mais je pense que j'ai fait un bon choix parce que je devrais rendre tout ce que le GC Nice a fait pour moi. Donc, j'ai fait le bon choix. Et puis alors, vous avez la chance de retrouver aussi à Lyon, vous n'arrivez pas en terrain connu, puisqu'il y a quand même quatre présidents dans l'équipe. On va le rappeler, Juninho, Fred, Chris et Fabio Santos. Non, les cinq, même avec Kleber Anderson aussi. Anderson, oui. Donc, il y avait cinq. Oui, c'était quasiment l'équipe du Brésil bis. Hein. Oui. Il y avait Sonny Anderson aussi dans mes staffs. Dans le staff, donc. Donc il y avait plein de Brésiliens. D'ailleurs, j'ai reçu deux, trois fois un coup de fil de Juninho pour me convaincre d'y aller. Et bien sûr, quand je suis arrivé à Lyon, j'étais très content de les retrouver. J'étais très bien accueilli aussi dans cette belle équipe et on a commencé à tout de suite à travailler pour continuer tout ce que faisait Lyon de très bien déjà. Et puis vous avez eu la chance aussi de porter le maillot Ori Verde, comme on dit, de la Seleção, puisque vous avez été sélectionné en équipe du Brésil, notamment avec, à l'époque, il y avait Juan Neymar, Ganso, Thiago Silva, enfin la grosse équipe, quoi. Oui, exactement, c'était en 2010, et après avoir fait deux belles saisons avec Lyon, j'étais finalement convoqué, et pour moi c'était vraiment un rêve, parce que depuis que j'étais champion du monde des moins 17, j'ai quitté le Brésil très tôt, j'ai quitté le Brésil, j'avais 18 ans, et donc je me suis éloigné un peu de l'équipe du Brésil, je n'étais plus convoqué, et j'ai lutté beaucoup pour y arriver, donc après avoir fait deux belles saisons avec Lyon, j'ai été convoqué par Mano Menezes pendant une reformulation qu'il était en train de faire juste après la Coupe du Monde, 2010. Donc j'ai été convoqué par la première fois avec Neymar, Ganso et plusieurs joueurs.
Alors après, vous êtes parti à la Lasiodrome, puis à Flamengo, c'est ça? Vous êtes passé 3 ans à la Lasiodrome? Oui, c'est ça. Et ensuite, retour aux sources à Flamengo? Oui. En fait, mon contrat est arrivé à la fin, à Lyon, en 2012. Et l'OL m'a proposé de prolonger. Mais en même temps, j'ai eu une proposition de la Lazio. Et je souhaitais connaître un peu le championnat italien. C'est un championnat que j'admire beaucoup aussi. Et j'étais passé 8 ans en France. Donc, je pensais que c'était le moment de connaître un championnat différent. Et je suis allé à la Lazio avec beaucoup d'espoir. Et j'ai joué 3 ans là-bas. Je me suis régalé aussi, c'était un bon championnat à connaître. Et après 2015, j'ai quitté la Lazio pour Flamengo. J'ai eu une proposition de cette équipe qui est l'équipe avec le plus de supporters de tout le monde, dans le monde entier. Et en plus, c'est une équipe de mon pays. Donc, quand j'ai eu la proposition, j'ai beaucoup réfléchi. Et comme j'ai quitté très tôt le Brésil, j'avais cette envie de jouer là-bas, à côté de ma famille. Avec mes amis, donc je suis parti et j'ai joué à Flamengo. J'ai trouvé une belle ambiance, les couleurs rouge et noir comme l'OGC Nice, ça m'a fait plaisir aussi. Donc voilà, c'était un bon moment aussi avec Flamengo. On a gagné un championnat de l'État de Rio et voilà, c'était une belle expérience. On va passer aux questions des supporters. Je ne sais pas si vous avez, on va reprendre l'interview ensuite, qu'il y a des questions. Bonjour, monsieur Garçon. Bonjour. Donc, vous avez connu le Stade du Ré, vous n'avez pas connu l'Alliance. Quand vous voyez la nouvelle structure de l'OGC Nice actuellement, déjà, que pensez-vous du club, comme il a évolué? Et vu que vous êtes encore jeune, un retour, une nouvelle expérience dans ce stade, pourquoi pas? Oui, j'ai pu jouer dans cette belle ambiance du Stade Doré. Après, j'étais très content de l'évolution du club. Les progrès que le GC Nice a fait, ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je félicite tous ceux qui ont participé de cette progression pour amener le club à ce niveau-là. Je pense que les supporters méritaient, les joueurs, les personnes qui travaillent dans le club, la ville aussi de Nice. Mériter d'avoir un tel stade comme celui-là. C'est un stade, un des plus beaux en Europe. Je suis venu voir le match contre Lille, qu'on gagne 2-0 il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un beau stade, une belle ambiance. Et maintenant, c'est, comme je dis, c'est niveau Champions League. J'espère vraiment que... Avec votre petit, avec votre fils, Alessandro. Ouais, je vous présente mon petit. Alessandro. Ça va, Alessandro? Est-ce que tu préfères vivre à Nice ou au Brésil? Je ne sais pas. Les enfants, la sincérité. Les deux, c'est bien, hein. Les deux, c'est très bien. Les deux, quoi, ici, hein? 6 mois ici, 6 mois là-bas. Voilà. Donc, vous souhaitez vous installer peut-être dans la région, vous ne savez pas encore. Enfin, là, je sais que vous êtes sur Monaco actuellement, vous avez gardé un pied de la terre à Monaco. Est-ce que vous souhaitez vous installer sur la région? Oui, pour l'instant, je suis avec ma famille, mon épouse et mon fils sur Monaco. Et voilà, maintenant, je ne suis pas sûr si je vais rester sur la région et aussi revenir au Brésil. J'ai aussi 2-3 propositions de Brésil. Et donc voilà, je dois réfléchir et ça va dépendre de ce que je vais faire pour la suite. Ok, mec, on vous remercie. Je vous remercie vraiment et on est très heureux de vous recevoir. Et puis on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite. Alors on peut l'applaudir bien fort. Merci. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir, merci. Hola, mio bella Nisa, regina dei flui, li tiuvi torisa,
io canterai tu giù. Cantai ai montagna, io ti utanri de con, li ti verdi campagna, li ti gran sole do.